Eh oui les amis, on est là enfin, en cette fin d'année 2022. Et je pense qu'il faut qu'on tire un bilan de cette année, parce que c'est mitigé. Allez les amis, c'est parti, let's go! Donc cette année, vous avez pu me voir avec des lunettes, auparavant avec un seau sur la tête, aussi avec ce petit truc pourri. Mais les amis, il faut qu'on tire un bilan de cette année 2022, voilà. Cette vidéo, on va la découper en trois parties, les amis. On va commencer par la partie la plus mauvaise, hein. Les déceptions, clairement, cette année. Ça a été compliqué, hein, voilà. En deux, on verra la réussite, parce qu'il y a quand même eu des choses positives, les amis. On a fait des choses positives sur Internet cette année. Et en trois, du coup, les amis, on verra ce qui va se passer à l'avenir, parce que qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, même moi, je ne sais pas. Donc, c'est parti, les amis. Let's go pour la première partie. Du coup, on commence par les déceptions de cette année 2022. Si on doit résumer cette année 2022 dans la catégorie déception, les amis, je mettrai le mot TikTok. Voilà, TikTok, les amis, grosse déception. Déjà, on va récapituler pourquoi. Ben, tout simplement, déjà, c'est grâce à TikTok que vous voyez cette vidéo, parce que sinon, j'aurais jamais créé cette chaîne YouTube. Le projet Le Cabanois, du coup, les amis, comme vous le savez, il est né sur TikTok en mars 2021. Voilà. Donc l'année dernière, donc voilà, mars 2021, je décide de poster une vidéo sur TikTok, voilà, c'est par hasard, hein, j'avais pas prévu de faire, enfin d'aller plus loin après. Je poste une vidéo et là, explosion, on fait 400 000 vues, je crois, un truc comme ça. Du coup, je continue à rythme de 2 TikTok par jour, voilà. Et puis voilà, je crois vers juillet, août, on passe les 100 000 abonnés, un truc comme ça, truc de fou, c'était un truc de fou les amis, on faisait des TikTok de fou et tout. Après on continue, on passe la période de septembre à novembre, on prend 300 000 abonnés. On arrive en fin décembre, on a 470 000 abonnés. Je me dis, 2022, ça va être une année de fou. Et là, pas du tout en fait. On arrive en janvier 2022, déjà on commence très mal. Février, ça va un peu mieux, si je me souviens bien. Février-mars, ça allait un peu mieux. Et après, par contre, avril, mai, juin, on coule complètement, complètement. Là, je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Et là, eh ben, j'arrive au bord de la mer, on refait des grosses vidéos, et là, ça repart en juillet, on reprend un petit peu de poil de la bête, comme on dit. Même sur YouTube, j'ai fait des vidéos, d'ailleurs, là, c'était vraiment une bonne période. Et là, ben, depuis fin août, jusqu'à maintenant, décembre, voilà. Ça fait une semaine que j'ai pas posté TikTok, enfin, oui, de vidéos sur TikTok, alors que j'en postais deux par jour depuis mars 2021, non-stop. Donc, ouais, les amis, on arrive à ce moment-là où je me dis. Qu'est-ce que je fais? Soit j'arrête complètement TikTok. Ça, c'est le truc le plus. Je pense qu'il risque pas d'arriver. Même si on n'est pas très loin. Soit je continue. Ça risque pas d'arriver non plus. Et là, vous allez me dire qu'est-ce qui va prévoir. Je pense que, les amis, je vais repartir de zéro. Je vais recréer un nouveau compte en 2023. Voilà. Ça, on en parlera à la fin de la vidéo sur la troisième partie. Mais voilà. Donc voilà, grosse déception, les amis, TikTok. Hein. Après, ben, on va venir après, vous allez voir. Voilà, pour moi TikTok ça a été une très grosse déception cette année. Je m'y attendais, je l'avais prévu, c'est pour ça que je disais j'ai fait quelques TikTok pour dire de venir ici. Et voilà, on est sur YouTube actuellement. Et c'est pour ça que les amis, on va passer à la partie de Let's Go. Donc les amis, la partie 2, les réussites. Et oui, il y a eu des réussites quand même cette année. Il y aura pas de, il y aura, on pourra pas parler de TikTok dans la réussite. Hein, clairement, c'est pas du tout ça. Mais si on doit qualifier la réussite, enfin un mot qui qualifie la réussite cette année pour le projet Le Cabanois, ça serait YouTube. YouTube, les amis. Le 31 décembre 2021, nous étions à 3 600 abonnés. Là, on est le 2 décembre 2022. Les amis, nous sommes à 11 800 abonnés, les gars. On a explosé cette année. Surtout les 3 derniers mois, là, on a depuis juin, les amis, la chaîne YouTube ne fait que ses fonctions exponentielles. Ça monte de ouf. Donc, je voulais vous remercier, les amis. Mais voilà, clairement, YouTube cette année, c'est une très très grande réussite. Notamment aussi par les vidéos qu'on a sorties. On a sorti 4 clips. Bon, c'est pas ouf les clips, hein. Vous avez bien compris que c'était de l'humour, mais ça a quand même permis de, eh ben de nous, on va dire entre guillemets, propulser, parce que 11 000 abonnés, c'est pas non plus le Graal, mais pour moi, c'est un truc de fou, les amis. Vous êtes 11 000 à regarder ces vidéos, voilà, c'est un truc de fou. YouTube, ben, c'est une très grande réussite, pas que pour moi, aussi pour les autres cabanois. Bon, pour Voisin du Cabanois qui a commencé il y a un mois, il est déjà 700 abonnés, voilà, on peut le féliciter.
Il y a le petit Cabanois malheureusement qui a perdu sa chaîne YouTube il y a quelques jours. Donc là, on reviendra à la fin de la vidéo sur ce point aussi. Mais voilà, YouTube très content. Des belles vidéos qui sont sorties. 2023, on prépare du lourd du coup, donc ça va arriver. Voilà, 2022, clairement YouTube, très grande réussite. On a passé les 10 000 abonnés, comme je vous l'ai dit. Les clips qui ont été juste parfaits. Et voilà, je pense que on va pouvoir passer à la partie 3. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer beaucoup de choses, vous allez voir. Mais c'est parti les amis, partie 3, let's go. Tu connais la danse Olivier? C'est pas grave, c'est parti. Donc du coup les amis, la partie 3, qu'est-ce qui va se passer pour le projet de Cabanois en 2023 et dans les années futures? Avant de tourner cette vidéo, c'est vrai que je m'étais pas posé la question. Et avec ce qui est en train de se passer sur TikTok, je me suis posé la question et j'ai émis plusieurs directions. J'ai décidé du coup dans 2023 les amis de continuer les vidéos bien évidemment. On va tout donner sur YouTube, je vous le promets les amis. Il y a du très très lourd qui arrive. YouTube clairement, ça c'est vraiment pour moi en 2022 la plus grande réussite. Voilà, mais il y a aussi TikTok, on va commencer par TikTok. Qu'est-ce qui va se passer sur TikTok? J'ai mis trois propositions. Enfin, je me suis mis ça dans la tête. C'est soit je continue comme ça et je fais 50 vues par vidéo pour 500 000 abonnés. Il n'y a pas trop d'intérêt. Soit j'arrête. Ça, c'est la proposition où j'ai hésité quand même, hein. Et la troisième, on repart de zéro. Quand je dis repartir de zéro, je pense que c'est cette option que je vais choisir, bien évidemment, pour 2023. C'est de recréer un tout nouveau compte TikTok et de repartir de zéro en vous proposant. En vous proposant, j'ai bégayé, c'est pas grave. En vous proposant des nouvelles vidéos de qualité, faut bien préciser parce que c'est vrai que les derniers mois sur TikTok, ça a été un peu pourri. Hein. Le problème de TikTok, c'est qu'il n'y a que les vidéos pourries qui marchent. Donc voilà, mais c'est pas grave, on va revenir en 2023 avec un nouveau compte TikTok et on va essayer de remonter la pente, les amis. Et il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver, je vous le promets. Voilà, pour YouTube c'est pareil, enfin pour YouTube c'est pareil, on va continuer dans la direction qu'on a pris en 2022. On est sur une très très grosse progression, mais vraiment on est passé 3600 à 10, à ben non, 11 800, je dis des bêtises. Donc c'est énorme, hein, presque 8000, c'est juste énorme, je vous remercie vraiment beaucoup. Et du coup YouTube, hein, on va continuer les vidéos, il y a beaucoup de tutos qui vont arriver. Donc comment construire une bonne cabane, parce que faudrait que je vais essayer, maintenant que j'ai un trépied, c'est plus facile pour vous filmer les choses. Donc, on va avoir beaucoup de vidéos. Je pense qu'on va probablement. Oui, les amis. Là, c'est une grosse information là. Parce qu'on va probablement reconstruire une nouvelle cabane. Je pense qu'il faut qu'on fasse ça. Tout simplement parce que, juste pour nous aussi, c'est kiffant de reconstruire une cabane. Voilà. Là, on l'améliore. Mais on est arrivé à un stade où on peut plus trop l'améliorer. Et puis, voilà. Des tutos. Peut-être je vais faire des vidéos sur des jeux vidéo aussi, je pense, pas mal. Et puis aussi des clips qui vont arriver. Il y a. Les deux derniers morceaux de l'IP Campagnacs qui arrivent, voilà, qui devaient sortir en 2022 mais qui sortiront en 2023 parce qu'on vous prépare du lourd, voilà, tout simplement. En ce qui concerne du coup le Cabanois, donc moi, je pense que je vous ai tout dit dans cette vidéo. C'est pas non plus une catastrophe 2022, je pense que c'est plus une réussite qu'autre chose. Mon objectif c'était YouTube, je m'étais fixé avant le 31 décembre 2022 les 10 000 abonnés. On est à 11 800 un mois avant. Donc, je pense qu'on a réussi et merci beaucoup. Pour 2023, voilà, je donne un objectif sur YouTube d'abonnés. Si vous avez dit que c'est peut-être un peu con, vous allez me dire, mais on réussira peut-être pas, mais ça nous donnera une idée de est-ce qu'on a réussi ou pas. Les amis, l'objectif de 2023, faut qu'on ait avant le 31 décembre 2023 les 25 000 abonnés sur YouTube. C'est juste énorme. Hein. Je vous dis, c'est énorme hein, ce que je dis, c'est énorme. Mais je pense que si je travaille beaucoup mieux les vidéos, si je vous propose des nouveaux contenus, on peut facilement y arriver et vous allez voir, je vais tout donner. J'espère que vous serez là pour voir ça. Et merci beaucoup. En tout cas, pour moi, je pense que c'est fini. On va parler des autres Cabanois. Comme vous savez, en 2021, nous étions quatre de base. Donc il y avait le Cabanois. Je suis là. Le petit Cabanois, voisin du Cabanois. Il y avait le petit voisin du Cabanois qui, en cours de route de 2021, nous a quittés. Donc on est en 2021, à la fin, on était trois. En 2022, on a une nouvelle recrue, pote du Cabanois, qui est arrivée, les amis. On va commencer par lui. Je suis très content pour lui. Il est arrivé il y a 3 mois sur TikTok.
Je sais pas, j'ai pas regardé combien il avait d'abonnés, mais je sais juste pour vous dire, je sais qu'il a réussi à décoller. Il fait du très bon contenu et franchement, on peut le féliciter. Voilà, j'espère juste qu'il va en 2023 arriver sur YouTube. On a besoin d'une quatrième recrue sur YouTube. En tout cas, clairement, il a fait du très bon travail. Je suis très content pour lui et j'espère qu'il va continuer comme ça. Voilà. Ensuite, voisin du Cabanois, c'est un peu comme moi, c'est TikTok catastrophique, hein. On n'a pas réussi à retrouver le goût du succès, entre guillemets du succès. Mais après, on n'est pas là pour ça de base, on est là pour faire rire les gens. Et le problème, c'est quand il n'y a plus personne qui nous regarde, ben, c'est pas ouf, quoi. Mais bon, TikTok, c'est comme. TikTok pour lui, c'est comme moi, c'est pas ouf. Mais YouTube, il est arrivé sur YouTube il y a un mois, il est à 700 abonnés, je crois. Et c'est bon, il est de retour, donc ça fait plaisir. Je suis content pour lui et on va passer au petit Cabanois. Alors lui. Au final, je pense qu'il finit il finit tellement mal l'année. C'est dommage parce que TikTok, c'était pas si mal au début d'année, je crois, pour le petit Cabanois. Qui, au final, actuellement, ben c'est encore pire que nous. Que moi et voisin du Cabanois, je crois. Et il a perdu sa chaîne YouTube il y a 3 jours. Donc voilà. voilà, merci d'avoir regardé. Non, allez vous abonner à sa nouvelle chaîne YouTube. Je la mettrai en commentaire, en description. Mais ouais, c'est vrai que là, ça fait mal quand même. Donc voilà ouais, les amis, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. 2023, je vais tout donner personnellement. Je vais tout faire pour qu'on revienne au top du top. En tout cas sur YouTube, j'ai jamais été aussi en forme. Donc merci beaucoup. C'est grâce à vous, à tous ceux qui regardent. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos, tous ceux qui laissent un petit like, ça fait plaisir. Tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui commentent aussi, qui me donnent des idées dans les commentaires, ça c'est super important. Je vous remercie tous ceux qui font cela. Et voilà, c'était le Cabanois. Je vous remercie les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, vous connaissez la suite. On se retrouve en 2023. Et voilà. Merci beaucoup, c'était le Cabanois. Je vous dis à plus. Prenez soin de vous. Au revoir.